bien, depuis ce matin, je suis ici pour présenter un atelier qui s'intitule Mettez-vous à votre compte. C'est un atelier sur le compte et la musique. Et l'harmonica, j'ai toujours été fasciné par l'harmonica parce que c'est l'instrument qui est le plus proche de la vie, dans le sens qu'il fonctionne comme l'être humain en inspirant, en expirant. Ça semble simple ce que je viens de vous dire, mais c'est le seul instrument avant vraiment que tu te mets dans ta flûte, la trompette, la clarinette. Tu dois inspirer de l'air pour mieux expirer de la musique, tandis que l'harmonica, là j'inspire, là j'expire. Je me rends compte que Asopos, à son époque, ça devait être un dieu punk un peu. En fait, Asopos, à son époque, c'était sans doute un dieu moitié punk, moitié skinhead. Vous avez un peu d'image du personnage? Ouais. Asopos rentre dans le jardin chez Sisyphe. Ben c'est ça, au bout de trois mois, il était toujours dans le fond, mais il n'était pas mort. Au lieu de respirer de l'air, il a respiré de l'eau, il a respiré de l'eau, il a respiré de l'eau, il a gonflé. Ploup, il a fini par flotter et il s'est échoué. Donc cet Autrichien-là, c'était un facteur d'orgue. C'est un monsieur qui réparait, qui fabriquait des orgues. Est-ce que quelqu'un peut me faire la différence entre un orgue et un orgue? Et étant donné que ces horloges à coucou de la forêt de Trossingen, tous ces horloges étaient faits en bois et qu'il n'avait pas tout vendu ces horloges à coucou de la forêt de Trossingen, voilà pourquoi il accumulait du bois de plus en plus. Et également, il accumulait des métaux. Pourquoi accumulait-il des métaux? Eh bien, parce que c'est un horloger qui fabriquait des horloges à coucou dans la forêt de Trossingen. En 1865. J'ai parlé brièvement des harmonicas diatoniques. Maintenant, les harmonicas d'accompagnement. Les harmonicas d'accompagnement sont souvent spectaculaires. Ils sont soit très longs ou très gros. Ici, vous avez devant vous une harmonica basse. Ça veut dire que je joue pas, que je joue grave. Soirée que j'ai appris à faire de la polyrythmie.